stéroïdes. Vous pouvez compter sur moi, mon général. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lemmy Koopa et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième mission dans le champ d'astéroïdes. Et ben, et en même temps, on se retrouve pour un nouvel épisode de Star Fox 64 3D. Donc, voilà. Comme toujours, j'espère que l'intro Star Fox 64 3D vous a plu et voilà. Donc, c'est quand même... Ah oui, donc... En fait, au lieu de faire la version 64 sur Star Fox 64 3D, bah en fait, vu que vous savez qu'avec mon nouveau téléphone, j'ai pu télécharger des émulateurs, et bah en fait, j'ai téléchargé Lilat Wars, la version Nintendo 64 en Europe de ce jeu-là. Mais avec les vieux graphismes et tous les bugs, hein, y a toujours ça dans les émulateurs. Ce qui est quand même dommage. Mais ça serait trop cheaté après. Mais voilà. Et quand même, au tout début, quand il dit tais-toi Sleepy en français, ben en anglais, avec les voix anglais, et ben il dit tais-toi Sleep. Vous verrez de toute façon qu'on fera le mode Lilat Wars en émulateur. Vous verrez ça très bientôt. Nia, nia, nia. Et sinon, bah, j'espère que, bah, quand même, elles vous auront plu, les deux vidéos à la suite de Mario 64, parce que, oui, le temps de que le plot se met, pour dire, c'était vraiment très, très chiant. Et surtout, bah, j'aimerais remercier Royal Gamer, qui a accepté de faire ce let's play avec moi. Parce que depuis le temps que nous deux on n'avait pas joué à Mario 64, et ben voilà. C'était la personne idéale pour faire le jeu en let's play avec moi. Après voilà, pour Sapphire Alpha et Star Fox, ça voilà. Je pense que je le ferai tout seul, mais ça sera plus avec les Mario que je ferai soit avec Royal Gamer, soit avec des... Soit parfois peut-être avec les membres de la team Koopa, qui sait. Faudrait aussi qu'ils sont d'accord. Hein. Mais de toute façon, je sais qu'ils verront cette vidéo parce qu'elle sera postée sur ma chaîne et sur la team Koopa. Donc maintenant, bah, monsieur Romain de Nixo Xerneas, dites-moi quand vous êtes dispo pour que bah, dès que Mario 64 est fini, si vous serez disponible pour faire un let's play que on fera ensemble. Et puis, voilà. Ah, purée. Ah. Drawbarball. Bah, en fait, on n'a rien à faire. Non. Non. C'est à nous ou pas? Oh non, il fait perdre trop de vie, lui, il est chiant. Non mais crève, connard. Crève, oui. C'est bon, maintenant, c'est un peu comme une sauvegarde, en fait. Hein. Il me prend que tu me saoules. Toute la vie qu'il a perdue et il gueule. Non mais quoi? Ah oui, ça c'est bien pour ce genre d'ennemi là. Waouh! What the fuck? Allez, gamin. Ça c'est des ennemis qui font quand même rapporter beaucoup de points. Hein. Ok. Ok. Faut tirer sur tout ce qui se bouge. Ah ouais. Et le boss du niveau. Annihilateur d'astéroïdes. Météo Cruiser. Ok.
Ah! Ça, c'est bon, on l'a fait du premier coup. Vous êtes plus rusé que vous en avez l'air. Ouais, on va perdre du temps. Je vous ai sous-estimé. Oui! Bah, je sais pas. Ah, de ça. Vas-y, on s'en fout, on prend le risque. Et dès qu'on l'a mis au milieu de sa vie, ce qui est le cas. Oui, oui, c'est le cas. Je ne suis pas digne de vous combattre. Troll. L'âge. J'admets ma défaite. Mytho. Ah quand même, ça parle mal, hein. Ah bah franchement, c'est pas nous le singe ici, hein. Bon allez, on a juste à tirer là, et c'est bon, le niveau est terminé. Allez, salut, pouce bleu. Oui. Désolé. Mais je suis pressé. Tu vois, je connais tout. Mission terminé. Okay. Mais ça va. Il s'est presque rien pris, mais il parle quand même mal. Ok, bah. Fuck le respect, hein. J'ai juste ça à dire. Et maintenant. Le niveau qui va arriver, ça sera les ennemis de base dans les Star Fox. 4 ennemis de base, si vous connaissez au moins un tout petit peu la série Star Fox. Quand je dis ces 4 ennemis-là, vous savez de qui je parle, de quelle équipe même. On va devoir combattre, et même de toute façon, il y aura écrit attaque de... Je dis pas de quoi, mais vous allez le voir de toute façon. Hein. Fichina. Je ne parle plus. Ancien poste de défense, entrée de Star Wolf. Donc les 4 ennemis, voilà, c'est Star Wolf. J'espère que vous l'avez deviné avant. Avant que je vous le dise, parce que sinon, là, oui. En même temps, si vous êtes abonné à moi, mais que vous connaissez rien, bah oui, là, je comprends. Hein. Crève. Allez. Donc voilà, au bout d'un moment, on devra combattre Star Wolf. Et c'est ça le truc chiant dans ce niveau, c'est qu'on doit toujours venir les aider, hein. Il me prend que tu me... Saoule. Il parle à qui? Eh bah, crève. Ok. C'est bien. T'auras au moins réussi un truc à faire dans ta vie. Ah là là. Ok. Je suis pas gros, hein. Ah purée. Tu crèves. Voilà. Maintenant, il y a un moment où ils vont commencer à arriver qu'on aura tué assez d'ennemis. Donc voilà. Parce que Star Wolf arrive. Et là voilà, c'est là où le combat contre Star Wolf commence. Désolé, Star Fox, on ne peut pas vous laisser faire ça. Quand même, hein. Ça faisait longtemps. Les ennemis d'Andros sont mes ennemis. Et voilà, combat contre Star Wolf. Star Wolf. Ah. Il y a un moment, on aura un compteur de 1 minute pour tous les tuer. Sinon, bah, la mission, on va. Quoi, déjà mort? Quand même. C'était très rapide pour le port, hein. Non, mais fuck ton Andros de. Merde, en plus, un macaque là.
peut-être pour ça qu'en fait tous les ennemis qui. Tous nos ennemis sont des macaques. Bon bah vidéo théorie sur ça dans pas très longtemps, hein. Mais quand même, faut l'avouer, j'arrête de parler, mais écoutez cette musique, comment elle est bien faite quand même, elle est stylée. On est d'accord, elle est stylée, hein. Enfin, je peux pas entendre, donc... Ok, derrière, là ici c'est Wolf ou l'autre. Quand même, hein. Ça se fait pas. Rien à faire. RIP. Allez, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi mon cadeau? Je veux mon cadeau. Bah casse-toi alors. Ah. Oh, une bombe. Waouh. Ok, bah attends. Allez, normalement. Parce que toi, tu crois que tu l'es même. Attendez, je le vois. Allez, plus qu'une minute cinq avant que bah, la mission allait échouer, mais en même temps, elle est réussie. C'est très chelou, ma philosophie, mais bon. Je pense que vous avez un tout petit peu compris quand même. Attends. Ah ouais, on est trois, ils sont trois, c'est égal au moins. Allez, crève. C'est qui descend au qui maintenant, hein, connard? Ok, fuck le français, hein, waouh. C'est un robot, c'est lui qui est le plus intelligent, mais il respecte pas la langue française. Ok, 15 secondes maintenant, faut avoir de la chance, mais on n'en a pas, donc on va pas... Ah ouais, là, 10 secondes pour tuer que Wolf, non, c'est mort, hein. Non, mais cherche pas, c'est mort. Bon, bah salut, hein. Moi, je me casse. Évacuer la zone. On a raté et on a réussi le niveau en même temps. Ah. Un peu, oui, c'est vrai. Je l'avoue, ils ont un peu gagné quand même. Ah, il est 16h. Oui, vous pouvez voir l'heure ici. Si vous avez des bonnes yeux ou la qualité, elle est pas, elle est bien. Et voilà, l'ancienne base de nos personnages, elle est morte. Au revoir, ancienne base. Ah non, mais c'est carrément la planète qui explose. Ah d'accord. Je savais que c'était violent, que ça pouvait exploser, mais au point que ça explose une planète, juste ça. Voilà, donc en fait, vu qu'on n'a pas tué tout Star Wolf, ça met juste une mission terminée, donc au pire, oui. On peut refaire le niveau pour battre tout Star Wolf, mais j'ai la flemme. Oui, et depuis le temps que les jeux Star Fox ont existé, tu devrais quand même le savoir, hein. Donc, je pense que ça sera... C'est pas que je pense, c'est que c'est sûr, hein. Je pense que c'est sur cette belle sauvegarde et cette petite cinématique qu'on va s'arrêter là. Donc, dans le secteur... Attendez. Dans le secteur X, Pokémon X, tu connais. Et encore, je dis Pokémon X pour quelqu'un de la Team Koopa qui est un peu un Pokémon légendaire. Bon, sur ce, si cette deuxième vidéo de Star Fox vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner. Surtout, à vous abonner, surtout, oui. Et puis sur ce, c'était les Mikoopa et moi, je vous dis au revoir tout le monde.